Bonjour, je vous présente aujourd'hui Tantrix, qui est un jeu de stratégie et de pose de tuiles de 1 à 6 joueurs à partir de 6 ans de chez Gigamig. Donc je vais vous présenter la version Tantrix stratégie parce que autrement dans la règle, il existe pas mal de petites variantes et de choses intéressantes. Ne serait-ce que pour jouer en solo, vous retrouverez beaucoup beaucoup de règles différentes et de jeux à fouiller, à découvrir. Pour la version stratégie, le jeu se présente de cette façon. On pioche chacun 6 tuiles qu'on va positionner face visible devant soi. Et le but du jeu sera de créer une ligne ou une courbe la plus grande possible pour marquer le plus de points possible. Donc la première chose à faire, ce sera de définir sa couleur. Donc moi, je choisis les verts et mon adversaire va choisir le rouge. Une fois le premier joueur défini, on pose une tuile au centre et on pioche une nouvelle tuile. Et ça sera au joueur suivant à piocher. Donc lui, il est dans les rouges. Il repioche une tuile. Et c'est à mon tour. Je pose une tuile pour ma ligne verte ici. Donc à partir de ce moment-là, nous avons créé avec 3 tuiles ce qu'on appelle un espace forcé. Donc toujours dans la pose des pièces, il faut respecter les couleurs, hein, surtout faire attention. Donc à partir de là, le joueur suivant qui va devoir jouer va devoir respecter 3 conditions. Donc d'abord, avant de poser sa tuile, il doit voir si il peut combler ce qu'on appelle l'espace forcé. Donc il lui faut une tuile avec vert, rouge et bleu. Donc il va chercher. Donc il est obligé de poser cette tuile. Vert, rouge et bleu. Donc celle-là va être parfaite. On la pose en respectant les règles de pose de tuiles. Une fois qu'il a rempli cette obligation, il peut poser sa tuile libre. Donc lui, il est dans les rouges. Il va chercher à remplir du rouge et il pose ici. Donc il va repiocher pour remplir ses 6 tuiles. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, il est obligé de vérifier s'il a créé un nouvel espace forcé. Et si c'était le cas, là, il n'y en a pas, il devrait vérifier s'il peut le remplir et dans ce cas-là, le remplir. Voilà. Donc là, c'est à moi, c'est à mon tour. Donc le jeu va se continuer comme ça au fur et à mesure. Il y a des obligations, des contraintes aussi à ne pas poser certaines tuiles de certaines façons. Donc par exemple, quand on crée un espace forcé, obligatoirement, on ne doit pas créer de 3 couleurs, 3 tuiles de la même couleur. Par exemple, ici, oui, vert, vert, vert. Et si j'avais la possibilité de poser une tuile, mais ce que là, je ne respecte pas la couleur, mais ne serait-ce que ici, ça créerait un espace forcé de 3 couleurs pareilles. Chose qui est impossible puisqu'il n'existe pas de tuile avec 3 connexions semblables. Il est interdit aussi de poser, quand il y a un espace forcé, il est interdit de poser une 4e tuile qui fermerait l'espace forcé. Donc ça, c'est pas possible non plus. Et pareil, quand il existe un espace forcé comme ici, il est et qui aurait une connexion ici, il est interdit de poser des tuiles ici, ce qui fermerait aussi l'espace forcé. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce jeu, qui est vraiment très très bien, avec beaucoup de variantes et de jeux à explorer pour tous les âges.